Comme ça. Voilà, bienvenue dans Signs of Darkness, jeu sorti en Early Access sur Steam le 14 décembre, développé par Prespose Games, un développeur indépendant. Je ne sais plus à quel prix. Si ça t'intéresse, t'iras voir, mais je crois que c'est un peu chéros. En plus, c'est de l'Early Access, donc c'est d'alpha, donc ça avait plein de buggés. C'est pas fini! Alors, du coup, vous pouvez voir, message important, Signs of Darkness est un jeu en Early Access actuellement en développement. Ça veut dire que c'est la merde, en gros. Hein. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et dans les problèmes connus, le DualShock Controller n'est pas supporté. Donc, il faut jouer à la manette Xbox ou au clavier souris, bien entendu, je pense. Options. Ouais, donc apparemment, vaut mieux jouer à la manette. Quality level, yes. Je mets tout à fond, à fond, à fond. Ok. Écoutez, on va rien toucher d'autre. On va appuyer sur play, on prend la manette dans les mains. Ouais, on va appuyer sur play. Puis on va bien voir ce qui va se passer. Allô? Alors, c'est mal barré. Parce que le jeu refuse de se lancer. Ah, le jeu a planté. On va attendre que le programme réponde quand même. C'est impeccable. En plus, je suis très transparent, l'incrustation est totalement dégueulasse. Ok, c'est parfait. Ok, c'est parfait. C'est actuellement le meilleur stream que vous avez jamais vu. Par contre, voilà, ça craint. Est-ce que je peux me voir? Merci. Quoi ce bordel là? C'est quoi cette incrustation de merde? Attends, on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Ça me paraît bien. Alors. Il n'y a que le menu! Tu m'étonnes! Là, mais c'est bon, je relance. J'ai un peu trop cliqué, je crois. Voilà. On va y aller plus doucement. Genre, voilà. J'appuie sur play, je touche plus à rien. C'est tout, c'est fini, je touche plus à rien. Je vais même boire un coup. Ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, on a eu chaud, hein, franchement. New game option, y a rien, on fait new game du coup. Ouh, il y a une création de personnages. Eh ben, mes avis que. Alors, c'est quoi le moteur? C'est Unity? Non, on dirait. Ah, oh, si, ça doit être Unity. Je pense que c'est Unity. Alors, Ed. Fais voir. Ah, c'est la taille de la tête. Ouah, c'est trop bizarre. Comme ça, c'est pas mal. L'âge de la tête. Ah non, c'est la grandeur du visage. Trop bizarre. Musculaire. Ouah, ça ressemble à rien, dis donc. Bon bah, on va essayer de faire un truc moyen parce que si on fait de la merde. Je modifie des trucs, c'est écrit tête et ça modifie le corps. Ah non, le poids. Je me sens obligé là par contre. Ok. Oh putain. Oh non, mais il va être magnifique. Oh, il va être magnifique. Oh putain, il est magnifique. Ah, on peut changer les cheveux, merci mon Dieu. Style 3. Ouais. Bah écoute, on va mettre une petite houppette comme ça parce que ça me ressemble vaguement. Qu'est-ce que je peux changer? Non mais pas d'end tunique, c'est pas mal. On va laisser les fringues comme ça parce que ça me saoule. Les cheveux. Ah, je peux pas changer seulement la couleur. Oh, il est magnifique. Oh, il est horrible. Oh, on dirait qu'il a un mulet là, un peu, non? On dirait qu'il a un mulet. On va lui laisser le mulet. Oh, il ressemble à. Non, je peux pas. Je peux pas. Oh, si, je peux. Oh, si, je peux. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est moche. C'est quoi sinon les autres fringues? Oh là 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 là. On dirait un antique. Oh, putain. Bon, on va entrer le nom.
Gros fion, ça me paraît pas mal. J'allais. Au début, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler Rookie comme t'es là, tu vois. Puis je me suis dit, bah, c'est un peu bâtard quand même, vu la tronche du mec. Start game, allez, c'est parti. Alors, pour rappel, c'est un jeu, donc un action RPG dans un monde ouvert. C'est un jeu solo, non multijoueur. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que sur le papier, il a l'air joli, mais après, faut voir ce que ça donne. Oh putain, il ressemble à rien. Alors, on va utiliser la manette. Ok. Alors, les bras qui sont... Oh là 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 là. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me largue comme ça, je sais bien que c'est... Alors, pour interagir, c'est quoi? Alors, on dirait une sorte de Khajiit, mais un Khajiit... voilà. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, il s'en va. Eh hey. Gros fion, ré... Ah, attendez. Est-ce que t'es un apprenti de ce chelou... de ce sorcier chelou? Qui vit sur la colline? Comment ça, un sorcier? Non, peu importe. Alors, et voilà, le sorcier veut renverser le trône de... Enfin, le roi de Rosenfer. Comment... Qu'est-ce que c'est, Rosenfer? Eh, hey, mec, tu t'es défoncé la tête, c'est pas possible. Tu es dans le royaume de Rosenfer, mon ami. Est-ce que tu es devenu fou? La mort du roi Geoffrey. Petit, à mon avis, bref. Occurred juste il y a quelques jours, et le sorcier a disparu. Ce qui m'embête, c'est que pourquoi toi, un apprenti, a été kidnappé par ces gobelins et envoyé ici pour mourir? T'as vraiment du boulot. Eh, hey, salut Thermi, comment vas-tu? Merci hein, pour le haut, ça fait plaisir. Alors, t'as vraiment dû emmerder quelqu'un, ça c'est sûr. Les chasseurs de primes gobelins coûtent vraiment assez cher ces jours-ci. J'étais dehors en train de pécho des trucs, des ressources, comme dans tous les jeux vidéo de nos jours, dans les jeux open world, on va dire. Quand je les ai vus t'emmener ici et te larguer comme une grosse merde. D'ailleurs, tu t'es vu et tu es une grosse merde. Ah, et d'accord, du coup, il s'est fait balancer aussi ici comme une grosse merde. On doit trouver une sortie. Ok, ça marche, ça marche. Bon, écoute, c'est le perso de l'année. Il est parfait. Il est absolument parfait. Mais je pourrais jouer au clavier souris, à mon avis, parce que c'est plus mieux. Pourquoi? Parce que je vois que les compétences en bas à droite, à gauche sont numérotées de 1 à 4, comme les touches du clavier. Du coup, on va plutôt... Voilà. Bon, le jeu est pas moche. Eribor, salut à toi. Je ne suis plus le bienvenu. Comment va Eribor ce soir? Alors, nous testons donc Signs of Darkness, mon cher Eribor. Pour l'instant, je ne sais pas quoi en dire. C'est un peu tôt. Je cherche la sortie déjà. J'ai un gros fion. D'ailleurs, je m'appelle Gros Fion. Ah, il y a un cristal chelou là, on va aller le voir. Est-ce que je peux interacter avec le... Ah, c'est le point de sauvegarde. Ok, très bien. Impeccable. Ah mais, je t'ai dit de sauvegarder, t'es un connard ou pas? Un petit peu. Ah mais, il peut plus être empty. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, laisse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, tu finis pas de te faire envoyer chier ici, c'est pour ça. Alors, aujourd'hui, on va voir combien de temps tu vas tenir. Alors... Ah, il y a un mec. Ah non, mais c'est le même. Et pourquoi mon... Ah, j'ai fait Alt-Tab, excusez-moi. Pourquoi on voit mon curseur de souris? C'est assez désagréable. Je pense que ça fait partie des bugs du jeu. Bref, on s'en fout, on va essayer de trouver la sortie quand même. E for overview for menu. Ah, le menu. Menu de gros fion. Bah, à la main droite, j'ai rien, en gros. Hein. Habilité, j'ai rien du tout. Incinérer. Ah, je peux incinérer avec ma main gauche. Est-ce que je peux...
Il me faut peut-être un ennemi. Alors, je suis fatigué, j'avais trop de vaisselle à faire, je vais me retrouver une madame Erybor. Il faut que je me trouve une madame Erybor. Ah ah, tu m'étonnes. Depuis tout ce temps, t'as changé. On verra. Alors, je cherche la sortie. Je n'aime pas que mon putain de curseur de souris soit en plein dans l'écran. Ça, je trouve ça assez insupportable. C'est pas grave. Si, c'est grave. Mais c'est pas grave. Bon, où est la sortie, bordel de merde? Allô? Est-ce que je peux nager? Oh putain, mes avis que je peux pas nager. Alors, j'aimerais bien, voilà, s'il vous plaît, respectez-moi. Hop. Oulolo, c'est par où? Non mais, le jeu là. Allô le jeu? Allô le jeu, j'ai fait toute la map, comment on fait maintenant? Ce curseur me trie. Bah attends, on va essayer de reparler à l'homme tigre chelou là. Il est où? Il est là. On va aller le revoir parce que là, il y a un problème. Ah, il y a peut-être une sortie là. Je crois que j'ai vu une sortie. Ah, attends, enfin un chemin du moins. Oui, j'ai trouvé. Mais si, j'ai trouvé, connard. Ah, Yellowstone. Bizarre. Genre là, par là. Ah non. Putain. Et là? Oh les mecs! Oh les mecs! Oh putain, on en a là. Ah, ça y est, j'en ai plein le cul. C'était Sign of Darkness. Oh putain! Et par derrière, merci Igor Fouchnik Trigougoun pour le resub, bitch. Merry Christmas. Putain, 10$ de sub en plus, le mec est dingue, quoi. Il me fait bander comme un bandit. Bah, merci beaucoup, Igor, ça fait plaisir. Oula, oula, oula! Ah, passage secret ou... Hein, voilà. Bon, c'est quoi cette grosse daube, là? Ça, c'est juste pour sauvegarder, d'accord. Oh, là, attends, il y a un truc, là, il y a un truc, là. Ah, interact! J'ai trouvé un truc, les gars. C'est bon. Maintenant, peut-être que je peux aller voir mon golo. Maintenant, il me file des armes. Très bien. Équipement. Gros fion. Longsword. Putain. Je vais rejouer à la manette parce que le curseur me fait péter un plomb. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouh! J'ai plus trop le temps de venir, désolé. Non, mais j'ai très peu streamé, Igor, donc t'as franchement pas loupé grand-chose. Limite, je suis un peu honteux, tu vois. J'adore l'animation des subs. Je laisse ma carte bleue. Oh putain, y a pas de bruitage encore pour les coups d'épée. Très bien. Parfait. Putain. Oh là, mais il fait une belle danse, dis donc. Calme-toi maintenant, merci. Calme-toi. Alors, j'ai une épée, mais en quoi ça m'ouvre une sortie? Il me suit ou il fait quoi, lui? On dirait qu'il me suit. Bon, peut-être qu'on va trouver une issue maintenant à deux, tu vois. Allez, viens là, mon petit. On me dit que le monde est énorme. Pour l'instant, je suis bloqué dans une pièce de 100 mètres carrés. Bon, un peu plus que 100 mètres carrés, certes, mais bon, merde. Hein. Oh, regardez, il y a une issue qui s'est débloquée là-bas. Voilà. Ah, t'as vu un bouclier? Bien joué. Bien joué, Rookie, heureusement que tu es là, sinon je serais décédé. Alors du coup, ça m'a libéré ce chemin. Ok, très bien, c'est très logique. Allez, mon gros. Oh putain, j'ai fait tomber. Eh, j'ai la classe quand même ou pas? Oh putain, il ressemble à rien, quoi. Heureusement que j'ai pas pu gérer la taille de la barbe ou la couleur des cheveux, sinon ça aurait été vraiment ridicule. Ok, donc on avance. Les ennemis apparaissent en bas à droite, vous ne les voyez pas forcément, je suis un peu devant. Oh my god, qu'est-ce qui s'est passé?
Oh. Ah, Y bouton, d'accord, je peux mettre pause pour faire mes habilités. Ok. Ce moteur graphique totalement maîtrisé. Enfin, ce moteur physique, pardon. Je vais t'incinérer, mage gobelin. Qui n'utilise pas la magie. Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Ah, attends, attends, attends. Voilà. Ah, il a bu beaucoup d'énergie, d'accord, ça va, ça va. Allez, laisse-moi, 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 laisse-moi. Putain, et le premier mob du jeu, il a 1 million de... Sa barre de vie, elle est infinie, quoi. Alors, les animations sont mollassonnes. Ah mais faut le tuer maintenant parce que moi je vais mourir de décès là. Ah ça y est, j'ai réussi à le loquer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah mais il avait 1 million de vie le mec. Votre paiement a été refusé par la banque. Eribor, voyons. Merci pour l'attention. Alors, il faudrait que je bois cette saloperie. Non. Ouais, si, c'est bon, j'ai bu. J'ai picolé, c'est bon. Allons-y. La musique est pas dégueu. Ça va. La musique est pas dégueu. Au moins ça. Le jeu n'est pas moche. Oh putain. Non! Allô? Oh putain. Ah mais le jeu, apprends-moi à sauter avant de... Qu'est-ce qui se passe? Un jour tu pourras reborger la foi. Alors quand on meurt, voilà, c'est bon. Je suis 1 million d'années en arrière. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, j'ai toujours pas trouvé la pierre. C'est ça? C'est ça qu'on est en train de me dire? Salut. Attends, 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 attends. Moi j'avais trouvé. Elle a pas changé d'endroit quand même, la pierre de merde. Normalement elle est là, là. Elle était là devant tout à l'heure. Peach, elle était là? Sérieux? Attends, et pour sauter, c'est comment? Quoi dans Dark Souls? Ah, c'était croix. Très bien. J'aurais peut-être dû vérifier comment sauter avant de sauter en fait. Ça aurait été une idée pas dégueulasse. Alors, sa putain de pierre de merde, enculé de fils de pute là. Elle était là et elle n'est plus là. Du coup, on va faire le tour. My God quoi. Ah. On a un deuxième jeu à tester, hein, même plein, ne vous inquiétez pas. Putain, allez, on sac. Il saute pas, il roule, exactement. Ça comme ça. Eh, n'empêche, regarde, il s'applique hein, quand il fait sa roulade, hein, c'est mignon. Hein. Putain, eh, la pierre que je dois récupérer, elle est plus là. Est-ce que c'est parce que je l'ai déjà ramassée? Dans la sauvegarde précédente. Ah non, je crois qu'il faut tout faire exactement comme il le dit, hein, sinon... Sinon ça ne va plus, tu vois. Et du coup, là... Elle a apparu comment? Qu'est-ce que j'ai foutu pour que la putain de pierre apparaisse? Fais chier. Mais non, je l'ai pas vu, je l'ai pas trouvé, ta connerie de... Écoutez, j'essaye de regarder. Mon site grosjaune.com, je l'ai recommencé. J'ai remis tous les articles à zéro. Et je fais que du jeu indépendant dessus. Du coup, j'écris des articles. J'y joue à des jeux indés quand je ne suis pas en stream. Et je joue aux jeux indés quand je suis également en stream. C'est-à-dire que je peux produire pas mal de contenu.
Mais si mon deuxième ou troisième article porte sur ce jeu, que j'arrive même pas à passer la première étape, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Bon, le prochain jeu a l'air très bien, mais celui-là, j'étais un peu dubitatif. Il avait juste l'air beau. Après, je sais pas trop. Mais regardez, la pierre, la Yellowstone, elle n'est plus là. Depuis que je suis mort. Peut-être qu'il faut que je fasse un loading, tout simplement. On va faire un loading. Voilà. Il n'est pas dans ton inventaire. Bah non, parce que quand je le trouve, je peux directement aller voir le mec. Et le mec accepte de prendre la pierre, tu vois. Bon, du coup, j'essaye de prévoir ce que le jeu va me faire faire. Donc, du coup, j'approche de là, il va me dire d'aller dans l'inventaire. Voilà, je vais dans l'inventaire. Donc, on peut aller dans l'inventaire si tu veux. Tu vois, j'ai que ça. Magic potion, small potion, flasque. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Il n'y a aucun indicateur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est une early access. Donc, c'est une version alpha du jeu. Et ça doit se voir, et c'est en alpha depuis le 14 décembre, donc il est vraiment pas très avancé dans le développement à mon avis, mais à part, voilà. Mais la chose étrange, c'est que la pierre était là, elle n'est plus là. Et je vais pas recommencer le jeu pour que la pierre réapparaisse à chaque fois, bordel de merde. Parce que si je remeurs après, qu'est-ce qui va se passer, hein? Mais voilà, on s'en sort plus. Donc je vais essayer de refaire un tour. Et puis si au bout d'un moment je trouve pas la pierre ne réapparaît pas, c'est que c'est un trop gros bug. Et puis je reporterai le bug, c'est pas un souci. Sauf que on pourra pas jouer à ce jeu ce soir. Mais vous inquiétez pas, des jeux indés à tester, j'en ai tout le tour du ventre. Des trucs récents en plus, des trucs qui sont sortis il y a 2-3 jours. On m'a envoyé plein de clés là. Du coup, je suis assez bien fourni. Mais je vous avoue que celui-là, il m'avait un peu saucé, voilà, par la curiosité surtout. Mais voilà, on est d'accord, la pierre n'est pas là. La pierre n'est absolument pas là. Le jeu m'encule. Le jeu m'encule, mais à sec, quoi. Ah ouais, là, c'est clair, là, le jeu me pisse dessus, quoi. J'aime passer ici. Bon, vas-y. Je suis obligé, hein. Voilà. Je sais que c'est facile de pisser sur une early access, mais là, faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde. Surtout que le jeu est assez cher, je crois qu'il a une trentaine d'euros, tu vois. Tu payes pas 30 euros pour ça, c'est pas possible. Il faut que les gens se rendent compte que c'est des êtres humains qui sont derrière les comptes PayPal, tu vois. Oh putain! Ah là là, le jeu me pisse dessus. Bon, bah voilà. Bah, c'est ça, en fait, c'est le moteur Unity, je pense, ça doit être ça. Qui, à la base, est bien branlé. Du coup, il est open source, ils se sont servis, quoi. Bon, la modélisation des trucs est très bien. Voilà, ça, c'est leur. Ils ont fait un beau boulot de modélisation pour l'instant, de ce que j'ai vu. Mais, et voilà, quoi. Ils sont servis d'un truc existant, quoi. Donc, il faut pas non plus trop leur sucer la queue goulûment. Non, 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 le bug est ouf, là. Alors, j'ai un quest log. Tu vois? Bon, ben voilà. C'était Signs of Darkness. C'est un peu con, quand même. Attends, c'était risqué. Mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres jeux. Tout va bien se passer. C'est merveilleux.